Est-ce qu'il te reste beaucoup de courses, Damien? De courses alimentaires? Alors, bah, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai dit à ma meuf, chérie, j'ai pris le dernier yaourt. Et là, il y a une tension qui s'est créée dans mon 35 mètres carrés, donc voilà. Je devrais y retourner au bout d'un moment. Ah ouais, je demande parce qu'au début, je faisais le malin, je disais, alors moi, j'ai pris seulement un paquet de pâtes parce que voilà, je ne cède pas à la panique. Et en fait, ce midi, je me suis fait de la semoule au lardon, donc ça commence à être un peu... Oh, c'est dégueulasse. Ça commence à être un peu la S. Oh, j'ai fait des chocs à pique au jambon là, je vous cache pas qu'on chasse les courses. Hein. J'ai des trucs incohérents, ça me gave. J'ai plus que des lardons, du coup je les fous avec n'importe quoi. Ce soir, on va jouer à World of Tanks. On a déjà joué, on est très bon dessus. Mais World of Tanks a préféré quand même nous donner un expert qui va nous aider pendant une petite heure, on va voir. Il y a un code, si vous voulez installer le jeu, évidemment. C'est le code Tanktastic. Ah oui, c'est le fameux code Tanktastic, un mélange de fantastique et de tank. Exactement, ou le lien dans la description, évidemment. Ça te donne 700 gold. Bon, ok, on en a, nous, on en a un milliard, mais vous, vous en aurez 700, ce qui est déjà pas mal. Pas mal. 7 jours premium. Nous, on l'a à vie, mais écoutez, mais 7 bon, jours, c'est déjà pas mal. C'est bien. Le tank T127, qui doit être très bien. Nous, on les a tous, mais le T127, croyez-moi, il est bien. Et un slot de garage. Et nous, on a à peu près 10 000 garages, donc écoutez, c'est... vous aurez quand même un slot de garage. Je vais appeler notre ami Actinid. Salut Actinid, ça va? Eh bien, bonne soirée, ça va très bien, et vous? Salut. Ça va bien, ça. Si j'oublie ton pseudo, je t'appellerai Actimel. Y a pas de soucis. Tu joues depuis combien de temps World of Tanks? Moi ça fait 7-8 ans maintenant. Oh putain, je croyais qu'il allait parler en moi. Oh merde. Je pense que celui qui aura le plus de dégâts ce sera Link. Moi? Si je vois un tank en flamme, c'est que c'est toi. Ah, genre de dégâts sur mon... Oui oui, oui, de dégâts sur toi. Oula, je ne parlais pas de dégâts causés. Ah non, moi je pensais que t'étais trop sympa. Aïe 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 aïe. Voilà, je vais vous laisser faire pour le moment. Je suis un peu encombrant. Alors moi je viens d'être sorti. Ah oui, je vois que tu as explosé. Ah. Alors moi je me désolidarise de cette action. Ok, on va prendre par ailleurs. Oh bah non. Oh, oh non, j'ai cassé le camion. Regarde derrière toi, merde. Pardon, c'est un peu encombrant. Je suis pas sûr que ça passe là, mais c'est, mais c'est merde, intéressant d'essayer de maintenant. C'est intéressant, Damien, ce que tu fais. C'est un tank, ça passe normalement là. Oh, oh, j'ai même pas vu qui m'a tué. Oh, waouh, 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 c'est derrière moi. Sors-toi, Damien, va dans l'eau. Tiens là. Oh ouais, vas-y. Et tu peux le noyer, vas-y. Vas-y, fous-le dans la rivière. Mon canon est trop lent. Tourne lentement. Merde. Donc, est-ce que Terracid, tu veux utiliser l'artillerie? Essayez du coup. Je gère ça. Ok. Oh non, mais attends, c'est ça? Mais c'est ridicule. C'est les premières artilleries, ça a vraiment une tête comme ça. Mais c'est ridicule, on dirait un jouet. Terracid, si tu tues quelqu'un, je te donne 10 balles. Hein. Ok, on retient tous ce qu'il vient de dire. C'est, on retient c'est pas que je crois, c'est, crois que je, c'est pas que je crois pas en toi, mais en vrai, je sais pas. Ça me paraît compromis. Autre chose aussi, tant que j'y pense, Terracid, t'as une ligne qui représente la trajectoire de ton obus. Il faut que cette ligne soit verte. La ligne est rouge, ça veut dire que ton obus tape un bâtiment avant. Il faut que ma cloche soit parfaite. C'est ça, c'est exactement. C'est bête de faire des victimes collatérales quand même. Bernard qui prenait une tisane au 6ème étage, là, hop là. Oh, évitons les civils, s'il vous plaît. Un peu de tenue, un s'il peu vous de plaît. Propreté. Waouh. Mais y'a un mec qui me fonce dessus. Y'a un mec qui me rush. Nique-le. Je suis à fond. Mais bien joué. De toute façon, t'aurais pas su quoi faire des 10 balles, non, c'est pas vrai. Attends, j'ai... Non, mais je suis encore en vie, attends, va, bouge pas. Ouais. Attends que je... C'est qu'une question de pré-shot, c'est qu'une question de pré-shot. Oh, bien joué. Tu l'as eu en pré-shot en plus. C'est en mode... Il doit être là dans quelques secondes. Ça me dégoûte. Je n'y croyais pas du tout. Je saurais quoi faire de tes 10 balles. Vous voulez réessayer comme ça? Ou alors l'un qui peut essayer, il peut essayer l'artillerie s'il veut. Bon, vas-y. Shift, ça, pour viser. C'est ça. Ouais. Tu peux appuyer sur G aussi, t'as une visée de 3 quarts, ça peut peut-être t'aider. Par moment, j'ai oublié de te le dire, désolé, t'es assis. Oh, mais tu sais, ça m'a pas empêché de faire un kill. Et il l'a fait sans sa visée de 3 quarts. Et du coup, tu me donnes également 10 balles. Si jamais tu fais un kill, oui, comme ça on annule. T'as de fortes chances de garder tes 10 balles, donc c'est cool. Allez, on se le tente. Allez, allez. Oh, oui. Oh, enfin, putain. Oh, je voyais 10 balles dans ma tête, j'étais en mode oh, ma vie est morte, ma vie est détruite. Pas maintenant, pas avec la crise économique actuelle, non. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais acheter des pâtes? Alors maintenant, tu
tu es tout seul. Ah ouais, bon bah bonne c'est chance. Quand tu restes derrière un buisson, ça t'apporte un bonus de camouflage. Qui a été utile. Pour le sniper, c'est le Shtuk 3. C'est celui qui est okay. Pas beau, on aurait une boîte aplatie. Je l'ai, il est tout plat. On dirait qu'on a appuyé très fort sur le dessus du tank. Le but, ce serait quand même qu'on gagne une game en étant encore en vie, ce serait pas mal. C'est vrai que malgré les kills, tu sais, parce qu'on est euphorique parce qu'on prend des kills, mais par contre, on gagne pas du tout quoi. Il a réussi à avoir un tank encore plus moche que le nôtre à droite. Oh là, on dirait une punaise. Tu pues. T'es moche. Alors mettez-vous derrière les buissons. Vous êtes moins visible par l'ennemi. Link, tu me vois ? Où ça ? Non ? T'es où ? Je suis caché dans les buissons en fait. Ah oui, je vois un peu un pixel à l'arrière. Je vois un tout petit peu ton char. Là-bas, ouais, il y a... C'est quoi ça ? C'est Coluche ? J'ai mal vu. C'est certainement pas Coluche. Alors comme ça, il est là, il apprend bien. Bon, c'est vrai que malheureusement, la partie était assez rapide. Mais merde ! Je n'ai pas su tirer parti de mon style de jeu, là. J'en fais une dernière avec vous et ensuite je vous laisse tranquille parce que j'arrive pas à suivre votre niveau, vous êtes trop bon pour moi, je veux pas vous... Ok, n'osez pas trop te dire qu'on s'ennuyait sur ces games, parce qu'on va prendre des moi j'ai commencé à bailler quand j'enchaînais les victoires, ouais. Donc mais reste un peu pour l'instant, histoire 2, voilà, juste... Non parce que juste on en gagne une et puis tu t'en vas. Juste histoire 2, hein, c'est tout. Mec, à 2h du matin, reste encore un peu pour histoire 2. Une dernière que j'ai pas compris. Les gars, j'ai pas dormi depuis 24h. Oh, histoire 2, c'est bon là, merde. Ça va, on est entre potes. On se détend là, merde. Oh, non, mais... bizarre, le panthère là, il a un coffre. Non mais on est d'accord, si j'allais dire c'est le championnat du monde des tanks moches, genre... Il a un coffre familial. C'est quoi ce bordel? Il a rabattu les sièges arrière. Et l'autre, regarde là, le PZSFL à côté de toi à droite. Oh, un bus. Attends, mais c'est le T-43, c'est un allié ça? Non, j'ai rien fait, c'est pas moi. C'est pas peine de reculer, hein. J'ai laissé un allié à un HP. Bon, t'as réagi comme un chien qui a fait une bêtise. C'est pas moi. Attends, peut-être qu'en visant bien. Putain, tu te rapprochais pas encore trop, je pense. J'étais en plein zoom. Ah, je touche pas. Yes. Putain. Bien joué. Merci. T'as vu, le prof, il m'a dit bien joué à moi. Ouais, je sais, il m'a rien dit, moi. Il m'a même pas regardé. Putain. Non, qui a pas compris le système de visée. Bah, je zoome avec ma molette, non? Là, j'ai fait shift plus molette, quoi. Ouais, c'est enfin, ouais, moi, shift, je l'utilise pas, je zoome à la molette, hein. Ouais. C'est rapide aussi, donc. Je sais pas, le chat, il me trash talk alors qu'ils ont pas fait un kill sur ce jeu, donc. Moi, je dirais que. Il va fermer sa gueule, quoi. Ils ont pas un dixième de mon level en arty. Arty. J'ai vu un mec tout à l'heure dire arty, j'ai juste répété ce qu'il a dit. Bon. Putain, on est fort quand même. J'ai fait un kill. Et toi, Link? Moi, j'ai eu l'impression de participer à l'effort. Au moral des troupes, tu vois, vraiment. À dire, tu vois, on est derrière vous, les gars, c'est au cas où on est derrière. Ok, réponds pas à la question. Moi, j'avais l'impression de voler, écoute, je me sentais libéré. J'ai survolé cette game. Bah, moi, j'arrête de jouer sniper, voilà, je vous emmerde. Ça me saoule. Est-ce qu'il existe une stratégie telle qu'on pourrait jouer contre des joueurs complètement débutants et les exploser? Non, ça existe en, ça en salle d'entraînement, oui, si tu veux. Non, je voulais gâcher la partie d'autres joueurs débutants. Je voudrais saquer le plaisir des autres. Et tête de petit enculé. Non. Terra, t'as pris un mauvais coup. Ouais, mais ça... Fils de con. Terracide, hésite pas de sortir un peu de trois quarts quand tu veux sortir, comme ça renforce un peu ton blindage. Ah, mais ouais, mais... de langue. Ouais, bah... T'as beau donner des conseils, je vois ta vie, hein. C'est vrai que j'ai pris assez cher, quoi. Je dis ça avec cœur, ma femme. Après, moi je pense que je vais jouer le KV2 plus tard, hein, parce que je pense qu'il peut one shot des tier 6 à la HE et à la munition normale. Donc, Ouais, c'est exactement ça. Si on met le canon à 152 mm, donc un assez gros obusier, et qu'on tire des obus à la HE, ça peut faire de grosses explosions et one shot des chars. Après, je suis content parce que genre je t'ai dit un truc. T'avais raison, il a repris tes termes. Ah non, mais là on est entre experts donc. Putain, what the fuck. C'est genre. J'ai lu le chat, je me suis dit, allez Damien, tente le bluff. Allez, vas-y, impressionne le professeur. Allez, tu l'auras ce bon point. C'est pas bon, là, tu prends ventilation ainsi que toison et fouloir. Et c'est exactement ça, ouais. Ventilation, fouloir et visée. Attends, tu m'as dit toison? Ouais, non, mais je voulais dire visée, c'est un synonyme de toison. Mayday, 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 mayday. Ah, je vais essayer de venir. Oh, qu'est-ce que vous comprenez pas dans Mayday? T'as 80 HP Terra par contre. Putain! Vous voulez du très très gros lourd? Autant y aller, ouais, je suppose. Donc, Chartier 10, allemand. Oh là là, putain, il nous sort la grosse artillerie là. Et Mouse. Je croyais qu'il allait pas le dire, mais il a osé. Attends. Pour l'anecdote, ce char a vraiment existé.
Il y en a eu deux exemplaires, mais il a jamais vu le combat, il s'est fait bombarder à la sortie de l'usine. Il était trop gros pour arriver au front. C'est oh non, c'est, sérieusement, c'est ridicule. C'est une histoire très triste. Non, mais les ingénieurs qui réfléchissent pas avant de concevoir des trucs. Tu sais, alors le classique, oh, bah, il peut plus sortir du garage, il passe pas, il est trop gros. Les gars, il redescend. Il est trop lourd, il avance. Les gars, on peut tirer depuis le garage, mais on peut pas le sortir. Faudrait qu'ils rushent sur le garage allemand parce que sinon là... S'ils viennent au garage, on a gagné la guerre. Alors... 192 tonnes. 192 tonnes. Oh non. La Renault Laguna de mon père, c'était 3 tonnes et demi. Ça fait combien de Renault Laguna? Ça fait combien de Renault Laguna empilés? Pourquoi vous jouez pas un char français? Il y en a qui sont très bien mais ils sont assez délicats à jouer parce qu'ils ont pas beaucoup de blindage. Et du coup ils jouent surtout sur leur mobilité, ils sont assez fragiles. Les Français jouent beaucoup sur leur mobilité, ils sont assez fragiles. Bouge pas, regarde bien. Oh, je suis passé pas loin de celle-là. Allez, une dernière game français là. Ouais, vas-y. Ouais, y'en a un qui est bleu, blanc, rouge là. On oh, je prends toi. Le Liberté. Attends, oh, oh ouais, mais le Liberté, j'ai envie de le prendre aussi, il est magnifique. Y'a un coq bleu, blanc, rouge là. Oh, je le prends en cocorico là. Putain, il a un coq et tout sur le flanc gauche. Oh ouais, non, je prends ça aussi. Hein. Ouais, alors, c'est temps difficile. Allez, vive la France, on gagne la game. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait nous ? Regarde sur le côté du canon. Oh, Liberté, égalité. Porte-le fièrement. Fraternité. Regardez le chat, c'est pas beau ça ? Link. Ok, la France, t'inquiète pas, j'ai la compris. France. Il va sortir, il sort. Il sort. Oui, non. Oh, la mauvaise surprise. Progetto. Pour la France. Oh, pour la France. Ah, est-ce qu'on serait pas un petit 1v1 avant de partir? Ah, si. Juste histoire de finir un dernier ouais, truc. Ouais, ouais, un petit, ouais. Salaud. Salopard. Allo, allo. Bah alors. Another bomb from the last ride, non? Connard. Putain, il me saoule. Je vais tellement mourir. Vas-y, non, c'est bon là. C'est bon, ça va, ça va, ça va. Ça va. Pousse, 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 pousse. 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 Tu commences à flipper. Hein. Tu ah sais bon que c'est un truc. Je renverse la vapeur. Je connais la vapeur là. Vas-y, viens là. Voilà. Non, arrête, viens là. Arrête, arrête, triche, 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 j'ai pas le temps de. Voilà. Oh. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu reviens? Je peux te one shot. Coup critique. Attends. Attends. Attends, tricheur. Attends. Coup critique. Ok, c'était serré. C'était serré. Il te reste combien? Plus de la moitié, il me reste 915 sur 1500. Ok, j'étais bien entamé. Hein. Ça va. Ah bah, c'était une bonne game. Ah ça va, sur la fin, ça s'est complètement renversé en tout cas. Si on avait donné un... Tu m'aurais laissé une bonne débure de plus avec des missions à toi vide. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette session de World of Tanks et que notre niveau de jeu vous a impressionné, enfin surtout le mien en dernière partie. En tout cas, n'hésitez pas à télécharger. Oui, je pensais à beaucoup de choses à ce moment-là et voilà. Je pensais à mes lardons à la smoule.